Salut tout le monde, je suis Adam, designer et animateur professionnel spécialisé dans le design d'identité graphique. Et dans cette classe, je vais vous montrer comment réaliser un logo professionnel sur Adobe Illustrator. J'ai commencé dans le design il y a plus de 6 ans comme salarié avec plusieurs sociétés où j'ai travaillé sur plusieurs projets pour les clients du monde entier avant de me lancer à mon compte et travailler sur mes propres projets. Votre projet pour cette classe sera de concevoir un logo professionnel sur Adobe Illustrator pour un supermarché bio et le présenter au client. Cette classe est destinée aux débutants, donc je vais couvrir le processus créatif de A à Z. Nous allons ainsi commencer par le briefing ou la découverte. La prochaine étape sera le dessin du croquis et la vectorisation, puis vous choisirez la police la plus adaptée à votre logo. Et vous continuerez avec le choix de la couleur qui correspond le mieux à votre projet. Puis, vous l'appliquerez dans différentes maquettes pour la présentation finale au client. Vous aurez besoin de Adobe Illustrator et aussi d'un crayon et d'un papier pour les croquis. Le but principal d'un logo est de transmettre un message spécifique d'une marque spécifique à un groupe social avec un objectif ou un intérêt précis. C'est pour ça que dans mon style de design, j'essaie de rester ouvert parce que personnellement, je trouve quand on a un seul style, les gens à un certain moment donné en auront marre et ils voudront changer. En revanche, quel que soit votre style de design, ce qui est plus important, c'est de respecter les règles fondamentales du design. Donc si vous êtes prêt à apprendre mes techniques de conceptualisation, je vous dis à tout de suite.